réveillon ce matin. Un beau pic tout noir. J'écris sur moi. Ça fait un peu mal, mais j'écris tout petit. Jimminy me manque. Avec lui, j'avais pas besoin de penser. Je sais pas où je suis. Je sais pas ce que j'ai. Je sais plus quand je suis arrivée. Je sais pas comment. Je suis malade. Fais chier. J'ai pris de l'aspirine hier ou avant-hier, je sais plus. Mais ça brûle. Je suis informaticien. J'habite 49 rue des Dames dans le 17e. J'habite Paris. Mon téléphone est le 42 15 23 19. Le prénom de ma mère est Sandrine. Celui de mon père, Claude. Je travaille à Infocom Média. J'ai 32 ans. Je paie 3500 francs de loyer par mois. Mon patron s'appelle Monsieur Esther. Je ne suis pas marié. J'ai une fille, ma fiancée.
Je veux tout. Vous videz tous mes comptes. Compte courant, compte épargne, code et vie, pep, mon coffre et en liquide. J'ai l'intention de m'acheter une voiture. Attendez, monsieur Vincent, pour les voitures, vous savez qu'il existe un prêt à 15% sur 50. Et de voyager loin, très loin, avec la dite voiture. Alors là, excusez-moi, ne faites pas de bêtises, monsieur Vincent. La carte merveille vous permet de voyager à concurrence. J'ai dit tout, tout, c'est tout. Alors, quick, allons-y, on appelle, hop, supérieur, hop, allons-y, code et ville, les vœux. Monsieur Vincent, vous allez bien? Et vous, vous allez bien? Oui. Ça va? Pardon? La vie vous plaît? Vous êtes bien, la vie vous plaît. Ce soir, vous n'avez pas envie de voler? Comme un pinceau. De voler comme un pinceau. Un petit pinceau. Pinceau! Monsieur Pinceau! Vous menacez fort ou j'appelle quelqu'un! Retourne à votre place! De vous à moi, j'adore les femmes qui volent. Comme les oiseaux, elles piaillent. Tip! 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 Et puis plus rien. Mais moi, je sais où elles vont. Je sais. Elles vont se faire sauter chez le bon Dieu! Stop! Jeune inspecteur. J'étais sa femme. On s'est aimé un peu quand même. Normalement. Comme tout le monde, on y avait cru. Est-ce que c'est de ma faute s'il m'a demandé de prendre son revolver? C'est de ma faute s'il m'a demandé de le caresser avec. Est-ce que c'est de ma faute s'il m'a demandé? Est-ce que c'est de ma faute si j'étais assez conne pour le faire? Après tout, c'était que des coups de flic. Des poissons, un petit poisson, c'est mesdames Mourtendre. Mais comment s'y prendre quand on est pas beau? Un petit poisson, c'est mesdames Mourtendre. Pas beau. Alors, oui. Ah, voilà. Adieu. Ah. Quoi? Il y a un tarif de fumier.
hobbits où tu l'as planqué, ça m'évitera de salir les roues. C'est une erreur, j'ai pas envie de manger. Je déconne pas. Déconne pas ou je t'arrange façon toxique. Pour le dire. Les abats d'un côté et la viande de l'autre. Où tu la mets? Des capotes, je les ai avalées. Dans mon estomac. J'avais prévu. T'as le choix. Ou je t'ouvre le ventre, ou t'avales ça. Qu'est-ce que c'est? Fuca. Dragé fuca. Il faut papa. Encore. Une pour toi, hein? Une pour l'abbé, là. Et il n'y a plus qu'à attendre. Hey, t'as aimé New York? C'est cool? Tiens, file-moi ton contact. Tu vas avoir la chiasse pour rien. Ça, c'est pour les mensonges. La vie est un puits sans fond. Sans fond. Jimminy. À quoi tu ressembles? Il savait, Jimminy. À quoi tu ressembles? C'était une araignée. Il était entré dans mon oreille. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Tu appelles ça une vie? Jimminy. Tu sais que tu as besoin de moi. Il savait, Jimmy. Et tous les deux, on va aller voir à quoi ça ressemble. Dehors. Et il me parlait de voyage. Moitié-moitié. De pays lointains. 50-50. Liberté. Kiff-kiff, quoi. Enfin, il me parlait. Dis. Tu m'emmènerais voir la mer. Ça faisait si longtemps qu'on m'avait pas parlé. Regarde-toi. Même les cafards sont plus heureux. À la fin. La vie ne rigolera pas tous les jours. Mais elle laissera des souvenirs. Tout jamais des souvenirs. Oui. Des souvenirs. We now have a lead which shows that some of the weapons have fallen into the wrong hands. It's true that law enforcement is being driven to horrible extremes, but those guns are out there. And believe me, if the people who have them get organized. Je l'ai plus. Il y a eu un problème. Je l'ai plus. Je l'avais. Alors justement, voilà. Je suis venu pour prouver ma bonne foi. J'ai été attaqué. Attends, mais c'est vrai. Je l'ai plus. Alors t'es mort. Un curé. Dans les chiottes à Roissy. Un curé. Je travaillerai pour vous. Pour le temps de vous rembourser, je ferai ce que vous voudrez. Il y a peut-être un moyen d'arranger tes affaires, petit. Mais loin. À l'est. Pour un échange. Kaliningrad dans 15 jours maximum. Pas d'avion, pas de train. Le trajet doit se faire en voiture. Ça te fera un beau voyage. Ouais. Oui, mais j'ai. Oui, mais quoi? J'ai pas le permis. Je l'ai pas. J'ai un Vespa, je suis coursier. Alors maintenant, tu vois Alberto pour les détails. Allez. Suis-le, l'abbé. Sois son ange gardien.
l'accident. La police l'avait repris dans les bureaux. Peuf carotte. Police des polices, comme on dit. Quand j'étais allée le voir dans sa chambre d'hôpital, il s'était mis à hurler en me voyant. Des semaines, il y était resté. J'y allais tous les jours et tous les jours, il hurlait. J'allais quand même le chercher à sa sortie des fois qu'un... Il a pas crié. On est rentré sans rien dire. Et je suis plus ressortie. Un an. S'en va vers un même lieu. La grande fosse septique de l'univers. Bonne nuit. Le pognon est dans la cheminée. Sayonara, connard.
belle auto, la belle auto, la belle voiture. La belle auto, et que voilà. C'est un diesel, c'est une femelle, ça j'en suis sûr. Si elle volait, je la pousserais. Et elle dit qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, je suis trop miche, moi. Oh, j'en peux plus, j'en ai marre. Oh, les fêtes de Noël. On peut. C'est 35. J'ai. Hé, hey, minute, t'as le feu ou les bourres au cul? Non, nous écoute, on y va. Allez. C'est quoi ton petit nom? C'est Pierre. Enfin, non, c'est peut-être Pierre. Tu parles anglais? Bah non. Tu parles pas anglais? Bah non. Ta copine, elle parle anglais? Eh non. Embêtant, ça. Pas grave, je t'expliquerai plus tard ce que ça veut dire. Badfly. Super. Ça te dérange si je filme? C'est comme tu veux, mon grand. Oui. Mais c'est 25 en plus, hein. Tu vois, les royalties, quoi. Vas-y. Oui, voilà. Allez, oui, là, oui. Besoin pour ton rendez-vous. Go. Mine de rien, ça avance. J'en suis déjà au genou gauche. Elf Spirit. Jimminy m'appelait comme ça. J'aimais bien. Pour la première fois, j'avais l'impression de toucher du doigt mon destin. Je le sentais. Ça allait arriver. Je savais pas quoi, mais ça allait arriver. Jimminy voulait voyager. Alors on est allé voir des trains. Comme on serait allé voir la mer. Étonnant que le hasard. Bonsoir. Bonsoir.
papa Badfly ! Tous les atomes qui composent ton corps étaient déjà présents à la création de l'univers. Tu m'écoutes pas. Et tous ces atomes seront encore présents durant des milliards d'années. Ça ne t'intéresse pas. Jusqu'au jour où l'infini sera enfin en deuil. C'est pas vrai. Je la connaissais pas, mais il s'occupait de moi. J'étais bien. J'étais bien. Là, les mouillons, là. Je m'appelle Gilles. Il ressemble à Spider-Man. Et toi? Ta mallette, hein?
sais pas ce qui m'avait pris. Ça m'avait chatouillé tout à l'intérieur. Si, si, je te jure. Quelque chose comme de la trouille, mais... agréable. Tu sais... tu nous as fabriqués à ton image, mais... à l'intérieur, c'est peut-être pas comme chez toi. Il était... j'en avais envie de parler. 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 C'est pour mon bien. Mon bien. Il s'est fait la malle avec ce que j'aimais. Mon bien. Je m'en fous. Je réécrirai tout. Il faut que tu saches. Toi qui es là-haut. Quel merdier tu nous as plongé le jour où tu nous as créés. Moi, quand je pensais voyage, je pensais à la mer, aux cocotiers, pas au trou du cul du monde. C'est froid, comme dans une morgue. C'est là que les motets m'ont attrapé. Et plus lâché. Plus jamais lâché. Comme les mains de la mort qui fouillent dans mon cerveau pour en arracher le passé. Thank you.
Loin, très loin, mon cul, ouais. Vielen Dank. Vous allez où? Stockholm. Te confesser avant de partir. Oui, allez, tous avec moi. La belle auto, la belle auto, la belle voiture. La belle auto, la belle auto, que voilà. C'est une femelle, c'est un diesel, ça j'en suis. Le ventre noué, les pensées mélangées, avec son casque sous le bras. Le prince charmant allait me dire merci, et après, au revoir. Ah tiens, vaut mieux que deux tu l'auras, comme aurait dit Jimminy, mais il a dit... Excuse-moi d'être vulgaire. Mais t'as pas de couilles. À chaque vilain, sa vilaine. À chaque crapaud, son prince. À chaque prince. C'était le purgatoire ou quelque chose de ressemblant, hein. Dis, tu me ferais pas ce coup-là.
Au commencement, tout était calme. Trop calme et trop sombre. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Ensuite, il fabriqua un tas de trucs, comme l'eau, le feu, les plantes, les bestioles, les bestiaux, et enfin, les humains. Et avec les humains, l'amour. Tu sais, deux êtres qui s'aiment se retrouvent toujours. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bonne nuit, Badfly. Tourne, Simon Grand. De beaux rêves. Merci pour les cauchemars. L'écaille. S'il te plaît, fais que je me sois pas trompé. Qu'il soit pas trop con. Fais qu'il passe par ici. Il n'y a pas 36 routes dans ce putain de pays. S'il te plaît, mon Dieu. S'il n'est pas trop con, pour aller là où on va, il faut passer par ici. Je sais que je fais des choses que t'aimes pas toujours qu'on fasse, mais bon. On est humain, quoi. Et puis tu m'as fabriqué comme ça. Fallait passer par ici, s'il te plaît. C'est rien pour toi. Pater noster, qui est in calis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum, quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos Wondering what's mine.
Zdarov. Zdarov. Environ 50 visons pour faire un manteau et une baleine pour 10 000 tubes de rouge à lèvres. Ça mérite bien une baffe, une bonne mornifle. Émulsifiante, colorant, antioxydant. Je pense que tu vas être malade. Avec un zeste de whisky, ça ferait décoller en Boeing. Vous en voulez un peu? Avec le... Il vous plaît le blouson? C'est moi qui l'ai... Pas chaud, hein. Il fait froid. De tendu entre l'animal et le surhomme. Une corde tendue au-dessus d'un abîme. Je suis en France, soldat, des jours, jusqu'à 51, 56, Algérie, Vietnam, je retourne à Algérie, je suis fatigué, hein? Ouais. Avec motorate. Motorate. C'est pas chaud, non? C'est froid, hein?
J'espère que t'es vraiment le bon Dieu. Je sais pas ce que j'ai. Si t'es pas le bon Dieu, tu peux pas m'entendre. Je pense dans le vide. J'ai plus la force d'écrire. Et j'ai mal au bide. J'en ai marre. Tu peux pas abréger. Ça n'a plus aucun intérêt maintenant. À quoi bon l'embiner? Oh, si t'es le bon Dieu, tu peux faire ça. Oh, faire disparaître ce que t'as créé. Vite fait. Hop, un tour de passe-passe. Y'a plus de Half Spirit. Mais non. C'était pas plus mal. J'avais pas peur. J'étais frustrée. Ma vie était une énorme frustration, alors ma mort ne pouvait pas être différente. Puis j'allais pouvoir me reposer. Sur Terre, personne ne me pleurerait. Peut-être que là-haut, je me ferais des amis. Bouffer tranquillement, sans se presser, comme une anesthésie. Comptez jusqu'à trois, madame. Un, deux, trois. T'es morte.
Tout va bien, ça va aller. Je reviens dans 5 minutes. On va changer de voiture. Les odeurs. Je me sentais au chaud, protégée. Et j'avais pas envie de revenir. Jimmy n'avait pas arrêté de me parler. Puis sa voix s'est évanouie. J'avais l'impression d'être une chenille dans son cocon. Une chenille qui attend. Et attend encore le moment. Le geste de celui qui la fera devenir papillon. Dans le fond, vous êtes toutes les mêmes. Que vous vous foutiez par la fenêtre, que vous tombiez de mobilette, ou qu'on vous aime, c'est toujours la même chose. Personne n'entend personne. Quand on rit, l'autre pleure. Quand on pleure, l'autre dort. Et quand on dort, l'autre rit. Le bon Dieu n'a pas accordé les fréquences. C'est le bordel sur la bande FM. Allez, s'il te plaît, je m'ennuie tellement, depuis si longtemps. Tu sais, Badfly, tout le monde s'ennuie, on se traîne tous lamentablement. Sur cette belle planète bleue. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien. C'est ton âme qui s'est fait un copain. Ça ne sert à rien. Je suis déjà trop loin dans ta tête. Tu m'as déjà accepté. Tu sais que tu as besoin de moi. Moi de toi. Oui, mais... Et elle, de nous.
trouvé un oiseau. Et depuis, il va pas bien, l'oiseau. Alors avec Jimminy, Jimminy, c'est celui que j'ai dans la tête. On s'est dit pourquoi ce serait toujours les oiseaux qui tombent. Pourquoi ce serait pas un petit peu les curés qui chutent. Pourquoi ils auraient pas mal. Pourquoi ils mourraient pas. C'est vrai. C'est des hommes, c'est pas des anges. Rien que des hommes qui ont mal, qui saignent. C'est des curés. Regarde. Puisque t'as pas mal, je vais te raconter une histoire. Parce que si t'as pas mal, c'est que t'es pas normal. Et avec les gens pas normaux, comme toi, on fait comme avec les petits chats. On les met dans des sacs poubelles, avec de l'éther, et on les jette dans les cabinets. Mais on est désolé, Jimminy et moi, on n'a pas trouvé de sac poubelle, ni d'éther. Et tu boucherais les cabinets. Par contre, on a trouvé une barre en fer. Ça risque de faire un peu plus mal, mais ça passera. Ça, c'est sûr. T'es prêt? Bonne nuit, l'abbé. Beau boulot, Badfly. Quelle heure il est? 7h du soir. C'est l'heure de son repas? Je sais. Dis, tu m'emmènerais voir la mer. Vous avez tout pour être heureux, et vous gâchez tout par connerie, même pas par plaisir. Faites vraiment chier. Je suis déçu. Mais un jour, bientôt, ça débordera, et vous vous noierez. Du prince charmant me remettrait sur pied. Pourquoi on se trompe toujours? Pourquoi jamais rien ne va? Comme dans les livres.
chauffe pas l'air. Chauffe pas l'air. C'est un sale conte de fées. Mais un conte de fées quand même. Tu vois? Une sorte de Walt Disney un peu gore où les Mickey séquestrent les Minnie. Où les Bambis sont égorgés. Et où les Bernard regardent leur Bianca s'écraser sur le bitume. À chaque crapaud, son prince. À chaque prince. Tu la reconnais pas? C'est peut-être pas elle que t'as écrasée à Paris. Je la connais pas, j'ai jamais vu. Elle était pas dans cet état-là. Casse-toi. Ah non. Avant, elle était pas dans cet état-là. Mais tu lui as tapé dans l'œil. Dans l'œil et dans la tête. Et maintenant, elle t'aime. Et puisqu'elle t'aime, elle peut pas vivre normalement. Tout l'emmerde. Tout l'ennui. Alors elle dort. Et elle attend. T'es fou, et elle t'attend. Et oui, je suis faux. Mais tu vas la prendre dans tes bras. Tu vas t'occuper d'elle. Parce qu'il n'y a que toi qui puisse la réveiller. Et crois-moi, je paierai cher pour être à ta place. Parce que des femmes comme ça, on ne rencontre pas. On les lit, on les rêve. Mais on ne rencontre pas. C'est du BSA extra-piste. Qu'est-ce que t'attends pour la mettre dans ton lit? Elle fait pas d'effet. Elle t'attend. Elle attend tes mains, elle attend tes yeux, elle attend. Vas-y, sois un homme. Sois un homme! Contre sa destinée, souvent par des choses. Ta gueule ! Je veux plus t'entendre, ta gueule. S'il te plaît, ta gueule. Souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter. Ta gueule, enculé, ta gueule ! Ça y est. Thank you.
We'll be right back.
Quand on n'est pas beau.
Driving on nine.